j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo haul. Je vais vous faire voir les petits achats que j'ai fait récemment sur plusieurs sites différents. Donc on va commencer tout de suite par un petit achat que j'ai fait sur eBay. Je commande régulièrement sur eBay, toujours un petit peu les mêmes trucs. Alors évidemment, tout ce que je vais vous faire voir, vous retrouverez les liens en barre d'infos. Hein. Donc moi, ce que je commande essentiellement, c'est des huiles essentielles, puisque j'avais essayé sur AliExpress, mais c'est pas des huiles essentielles, c'est une huile de colza très certainement, qu'ils ajoutent une odeur, mais c'est vraiment pas une huile essentielle. Donc j'ai pris une huile essentielle de camomille. Donc elles sont tous par 10 ml. Donc voilà, je regardais un petit peu ce qu'ils avaient, sachant que moi j'achète à moins d'1,50 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Voilà, puis c'est une huile essentielle, quoi. Il y a pas, elles sont pas bio, certes. Vous pouvez en trouver de la bio si vous voulez sur eBay. Mais voilà, donc camomille, ça c'est pour faire des mélanges en fait. Celui-ci, je sais plus ce que c'est, Osmanteau, effet anti-stress. Osmanteau. Bah, je sais plus, je vous mettrai sur l'écran, mais je me souviens plus ce que c'est. Alors, il y a des normes ici, hein. Il y a la norme ISO 9001. Il y a quand même des normes, hein, que je ne connais pas ici, mais voilà. C'est... Voilà, bon, les packaging arrivent toujours un petit peu, hein. Bon, voilà, donc celle-ci, je vous mets sur l'écran les informations. Ensuite, nous avons Magnolia, qui est effet équilibrante. Donc, tout ce qui est fleurs, je m'en sers pour mettre sur le filtre à l'arrière de mon aspirateur pour parfumer la maison. Ou quand j'ai des cires que je fais fondre, si elles ne sentent plus, je rajoute tout simplement des huiles essentielles pour qu'elles sentent, voilà. Donc voilà, Magnolia est une que j'adore, j'adore, j'adore. Ça m'arrive parfois de la mélanger à une soupline aussi qui ne me convient pas, qui ne sent pas. C'est Ylang Ylang. Alors, par contre, j'ai une étiquette dessus, mais bon. Voilà, c'est la fleur d'Ylang Ylang. Hein. Est-ce que, voilà, peut-être mieux voir ici. Voilà, donc de temps en temps, voilà, je fais mon petit plein d'huile essentielle chez la boutique de ce vendeur. J'achète toujours chez lui ou chez elle, j'en sais rien. Je crois qu'il y a deux boutiques. Et voilà, j'arrive toujours à en trouver entre 1 € et 1,50 €. Et ça vient assez rapidement, même si ça vient de Chine, hein, ça vient quand même assez rapidement. J'ai dû les avoir en 2-3 semaines. Donc ce qui est peu quand ça vient de la Chine, sachant que c'est très aléatoire. Avec AliExpress, ça peut venir en une semaine. Des fois, je suis vraiment étonnée de la vitesse. Et des fois, au bout de 2 mois, il n'y a toujours rien. Donc là, moi, j'attends pas plus. En général, je fais ma petite réclamation, je demande le remboursement. Je suis remboursée. Si je reçois après, c'est tant pis. Bah tant pis pour le vendeur, hein. Je vois pas pourquoi il y en a qui arrivent à faire les choses en une semaine et d'autres en 2 mois, c'est pas fait. Donc bah c'est probablement qu'ils ont dit qu'ils l'avaient envoyé alors qu'ils l'avaient pas envoyé. Bah tant pis pour eux. Voilà, donc on passe tout de suite à mes achats chez Cdiscount. Donc c'est chez Cdiscount, j'achète régulièrement, j'aime beaucoup ce site, beaucoup plus qu'Amazon. Et voilà, j'achète régulièrement. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, c'est sur ce site que je vais voir. D'ailleurs, mon dernier téléphone, c'est sur ce site que je l'ai acheté. J'ai eu une réclamation à faire parce que sur l'annonce, c'était marqué 4G. C'est un Oukitel C8, hein, 4G, c'était marqué. Quand je l'ai reçu, je me suis aperçue qu'il faisait pas 4G. Donc, j'ai fait une réclamation et j'ai été remboursée de l'intégralité. Ils m'ont pas demandé de le retourner ni rien. Donc j'ai été remboursée de mon téléphone, c'est un 3G certes, mais je le garde, en attendant de pouvoir m'en offrir un 4G, mais voilà. Donc la vendeuse m'a dit que c'est son employé qui s'est trompé dans la désignation, bref, je m'en fous. C'était bien marqué 4G, j'ai eu un 3G, je me suis fait rembourser. Bref, cette fois-ci, il m'avait envoyé un bon d'achat de, je crois que c'est 6 €, sans minimum d'achat. J'avais bien regardé avant, j'ai dit c'est dingue. Donc j'ai fait un test, j'ai mis n'importe quoi dans mon panier. Et puis oui, effectivement, j'avais bien saisi 6 €
de bons d'achat. Je crois que c'est 6. Hein. Si je dis des bêtises, je vous le mets en barre sur l'écran. Et donc, j'ai commandé ces petites choses-là. Donc, c'est des petits paniers que vous accrochez avec des ventouses. Donc là, une fois de plus, hein, si les ventouses ne tiennent pas, bah, je ferai un trou et puis je mettrai des vis, hein, tout simplement. Je vais me débrouiller. Et voilà, donc c'est des petits paniers que je vais mettre, je pense, dans la salle de bain. Parce que dans ma cuisine, j'ai déjà ce qu'il faut. Je pourrais peut-être en mettre un aussi dans l'arrière-cuisine, parce que j'ai un lavabo dans mon arrière-cuisine côté laverie, où c'est vrai que je n'ai rien pour poser le savon et tout ça. Donc là voilà, je vais pouvoir en mettre un dans l'arrière-cuisine et un dans la cuisine. Il y en a un bleu et un jaune. Je crois que j'avais commandé ça, je sais plus. Enfin, je m'en fichais un petit peu des couleurs. Voilà, c'est gratuit. Je sais même pas si j'ai mis quelque chose dans ma poche. Mais je vous mets ça sur l'écran parce que je me souviens plus du tout. Voilà, donc on passe maintenant au site Brindille. Donc chez Brindille, j'ai commandé il y a longtemps. Donc c'est un site qui se veut naturel, bio, etc. J'avais commandé des balles magnétiques pour mettre dans la machine à laver pour éviter que la machine s'use à cause du calcaire. Ça fait 2 ans que je les ai, elles sont valables je crois 5 ans. Voilà, on peut pas voir à l'œil nu si ça fonctionne ou pas. Moi j'en ai marre de garder mes machines à laver 5 ans parce qu'au bout de 5 ans elles chauffent plus parce qu'il y a du calcaire. Voilà, donc ça m'a saoulée, donc j'en ai acheté. Et puis là j'étais en fait à la recherche d'un savon d'Alep, donc j'ai été sur beaucoup de sites. Donc quand c'est comme ça, je fais 3-4 sites que Google me propose. Quand je fais ma recherche, je marque savon d'Alep pas cher. Je vais dans shopping, je range par ordre de prix, du plus petit au plus grand. Et là, je vais comparer 3-4 sites, je mets dans le panier et je regarde avec les frais de port combien ça me fait. J'ai été sur ton site, sans, mais c'est vrai qu'au niveau des frais de port, ben du coup, t'as pas gagné. Et c'est le site Brindille qui a gagné, tout simplement. Donc j'ai choisi un savon d'Alep à l'argile rouge. Donc je sais pas si vous voulez des informations sur Brindille. C'est marqué la boutique des familles bio engagées. La boutique est dans le 91 à Vaugrigneuse. Donc je vous mets le lien du site en barre d'information, bien évidemment. Donc ça c'est un bon de livraison hein, que j'ai en main, donc j'ai pas le prix. Tout ça, je vous le mets évidemment en barre d'infos. Donc, j'ai reçu dans un petit carton plein de papier, mais c'est vrai qu'ils auraient pu le mettre dans une enveloppe, hein, parce qu'ils se disent éco-responsables, mais là, dans une enveloppe craft, je pense que ça aurait été quand même mieux, sachant que ça doit faire moins de 3 cm, donc ce serait passé à la poste comme ça. Donc, c'est un savon qui fait 100 grammes. J'ai essayé il y a longtemps le savon d'Alep, un savon que j'avais acheté... chez Nose, j'avais pas spécialement aimé, d'ailleurs j'avais mis à la poubelle parce que voilà, j'avais pas spécialement aimé, j'avais pas trouvé, mais en même temps à l'époque j'avais peut-être pas forcément besoin. Maintenant que j'ai une peau qui est extrêmement fragile avec des rougeurs, etc., je me dis que ce serait peut-être bien d'essayer. Sachant que votre savon d'Alep, il est à base de baies de laurier. Et au niveau du pourcentage, vous en avez plusieurs. Vous avez 12%, 20%. Je me souviens plus celui-ci. Est-ce que je vais trouver? Je crois que c'est du 20%. Il me semble. De toute façon, je vous mets le lien vers le site, vous verrez bien. Donc, savon d'Alep à l'argile rouge, aux huiles d'olive et de baies de laurier, testé sous contrôle dermatologique de la marque Douce Nature. Donc, pour les mains et pour l'hygiène du corps, étalé sur la peau mouillée, frottée, rincée. La savonnette d'Alep Douce Nature à l'argile rouge est 100% sur base végétale. Elle est élaborée selon une méthode de fabrication naturelle à base d'huile d'olive et de baies de laurier. Elle est très douce et s'utilise à la fois pour le corps et le visage. Grâce à l'argile rouge, elle rendra votre peau plus souple et les cheveux plus soyeux.
Alors, faut que je teste sur les cheveux également, puisque j'ai régulièrement des démangeaisons et comme des croûtes de lait qu'ont les bébés sur le cuir chevelu. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai acheté, je vais l'essayer vraiment sur tout le corps. Donc c'est fabriqué à Alep en Syrie. Malheureusement, on a entendu dans les informations des choses vraiment pas sympathiques là-bas qui se passent. Donc savon conforme au cahier des charges, appellation savon d'Alep, protégé, délivré par le ministère de l'économie syrien. Donc c'est bien que ces choses-là soient marquées, puisque ça vous donne la qualité du produit en fait. Donc on a 100 grammes. Et voilà, donc je vais le tester pour tout le corps, les mains. Enfin, je vais d'abord le mettre dans la douche. Et si je vois que... Alors, moi, j'ai pas de problème au niveau du corps, de démangeaison ou de problème. Voilà, bon, ça n'empêche pas de l'utiliser. Mais je vais remplacer un shampoing, puisque je fais toujours deux shampoings. Donc, le dernier shampoing, je vais le remplacer par ce savon que je vais mettre au début sur toute la chevelure pour voir. Mais je pense qu'après, je le mettrai que en racine, puisque c'est là que j'ai un problème. Je l'essaierai sur mon visage également, parce que avec la dermite que j'ai autour du nez, qui va beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, elle est toujours là, on s'en débarrasse pas comme ça. Voilà. Je vais tester, je vous en reparlerai. Si je vois qu'elle est efficace, du coup, je vais pas la travailler de la baignoire au lavabo. Ça, je sais que ça va d'avance, que ça va me saouler. Et j'en recommanderai un autre. Et je dois en commander également une pour mon fils, puisque il est avec une chérie qui est très bio, hippie. Donc il est intéressé aussi par ce produit là. Donc voilà, donc je sais déjà d'avance que j'ai une autre commande à passer. Voilà, donc on passe tout de suite au dernier site, dernier produit que je vais vous présenter, puisqu'il s'agit d'un achat que j'ai fait sur Vinted. Donc sur Vinted, j'ai toujours ma boutique, n'hésitez pas à aller la consulter régulièrement. C'est vrai que là, ça fait longtemps que j'ai pas mis des choses, mais en même temps, pour le maquillage, c'est chiant. Parce que on n'a pas le droit de mettre du maquillage d'occasion. Donc du coup, c'est pour ça que je le mets sur Facebook. Donc c'est pareil, je vous en barre d'infos, dès les premières lignes, je vous partage éventuellement, si vous le souhaitez, mon album de vente sur Facebook. Et donc, je vous présente aujourd'hui et j'insiste sur la qualité de ce qu'a fait la vendeuse. Parce que déjà, elle vend des trucs neufs, vraiment pas chers. Mais en plus, c'était super beau, super bien emballé. Là, je ne l'ai pas remis, mais mes produits étaient comme ceci, entourés d'un ruban rouge, comme un beau cadeau. Et j'ai vu, waouh, quand j'ai ouvert le carton, j'ai waouh. Et voilà, je suis super contente de cette vendeuse. Je vous mets éventuellement le lien vers sa boutique en barre d'infos, ça peut vous intéresser. Et elle avait choisi un joli petit papier comme ceci pour me faire une petite carte rigolote pour me remercier. Donc elle s'appelle Marine et elle avait mis également, et je peux vous dire que c'est une vendeuse au top, puisque elle avait fait un petit sachet avec un petit ruban pour me mettre des bonbons. Voilà, pour me remercier. Donc ça, franchement, top, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai commandé deux choses. J'ai commandé la All About Matte de chez Essence. Je l'adore. J'en ai une que je n'ose pas finir, justement parce que j'en ai pas d'autres, que j'avais acheté sur un groupe d'occasion. C'est le groupe de Nini Beauty qui est privé, donc sur Facebook. Et voilà, je vais pouvoir la terminer. Donc, je vais retirer le scotch, mais on voit bien qu'elle est neuve. Je vous mets sur l'écran le prix que ça coûte sans passer chez Vinted. Et le prix que moi, je l'ai payé. Voilà. Donc, vous voyez, elle est neuve. Hein, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est neuf, jamais utilisé. Il n'y a même pas eu un doigt de mitue. Voilà, donc c'est 9, 9, 9. Il y a juste, je pense, à l'ouverture où elle avait mis un petit coup de cutter. Mais ça, c'est pas grave, je m'en fous complètement. Et voilà, je vous mets sur l'écran le prix d'achat
normal de cette poudre, le prix où je l'ai acheté et le prix total de ma commande chez Vinted avec les frais Vinted qui sont d'environ 1 euro et les frais de port. Et vous allez voir que j'ai fait vraiment une très bonne affaire. Ensuite, j'ai vu dans sa boutique, parce que dans la plupart des boutiques sur Vinted, vous pouvez faire un lot. Et au bout de 2 produits, vous avez déjà une réduction. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu sa boutique. Effectivement, il y avait un autre produit qui m'intéressait. Donc c'est un produit Daniel Jouvence. Donc je vous avais fait une vidéo sur un produit Daniel Jouvence que j'avais reçu. J'avais fait un concours aussi, il y a une d'entre vous qui l'avait gagné. C'est des très bons produits, hein. C'est un peu comme Pierre Ricot, c'est des très très bons produits. Daniel Jouvence, il est expert dans les produits de la mer. Alors, il est comme Pierre Ricot, il est relativement cher. Et là, donc, j'ai vu la crème soyeuse corps envoûtant. Donc, mer du monde, voyage en mer d'Orient. C'est aux algues dorées, fleurs d'oranger et huile d'argan sans parabène. Voilà, donc la boîte se présente comme ceci. Je vous mets sur l'écran le prix chez Daniel Jouvence et le prix que je l'ai payé. Donc le pot est comme ceci. C'est un pot de 200 ml. Et c'est pelliculé, donc c'est complètement neuf. Et j'ai vérifié, la pellicule n'a pas été remise, puisque quand je veux la retirer, ça force. Donc je vais l'ouvrir, parce que j'en ai justement plus dans ma salle de bain. Donc de toute façon, celle-ci, je vais la tester. On dirait de la crème fouettée. Ah, la fleur d'oranger. Celle-ci sent bon comparée à celle de chez Sephora. La fleur d'oranger, elle est un petit peu moisie, un petit peu passée chez Sephora. Ah ouais, elle sent super bon. Alors, je peux pas vous la faire sentir, malheureusement. Je vous partage la texture. Je vais regarder sur la main ce que ça donne. Alors, c'est une crème qui est riche. Hein. Ça se sent, elle est riche. Et donc, ça, ce sera le soir après la douche. Ah, la fleur d'oranger, c'est vraiment... Voilà, donc voilà, bah, pour les périodes où j'ai la peau très sèche, jambes, pieds, enfin partout, celle-ci. Franchement, vu l'odeur, je vais la mettre partout. Voilà, donc je vais la refermer, je vais la mettre dans ma salle de bain. Et voilà, je remercie Marine, si elle passe par là, des produits qu'elle m'a envoyés, super bonne qualité. Je partage le lien vers sa boutique en barre d'informations. Parce que c'est une vendeuse au top. J'ai jamais eu de problème avec des vendeuses. Mais là, c'est un petit plus. On voit que vraiment, elle met de l'attention au colis qu'elle fait. Et ça, c'est au top. J'adore. Donc voilà, je voulais vous partager mon achat et cette boutique. J'achète moins sur Vinted parce que j'ai moins besoin. Ça, c'est pas sorti de mon porte-monnaie. Puisque j'avais une 20aine d'euros dans mon porte-monnaie Vinted. Donc du coup, ben, j'ai payé avec. Donc voilà, c'est l'avantage en fait de vendre sur Vinted. Vous gardez tout dans votre porte-monnaie et à votre tour, vous vous faites plaisir sur le site. Voilà, donc j'aurai encore du tri à faire hein, pour remettre des choses sur Vinted. Moi. Il va falloir que je le fasse. Voilà, je regarde, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc, bah, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous aurais peut-être fait découvrir des sites comme le Brindy, peut-être. Je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.